Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire de novembre. Je pensais tourner cette vidéo en gros suite et en petit moment un petit peu cocooning avec de la pluie, mais pas du tout. Il fait très chaud, il fait très bon, même si le temps commence un petit peu à s'assombrir là depuis 1 heure. Enfin, il fait super chaud. Moi, je suis en petite nuisette, j'ai juste mis un petit truc au-dessus, histoire de vraiment être bien, mais c'est assez troublant. Je voulais vous présenter ma pile pioche à lire, plutôt, du mois de novembre. Pendant ce mois, je fais un challenge 7 jours, 7 livres qui débute lundi 31, donc il aura débuté quand cette vidéo sortira, et qui se termine le dimanche 6. Donc il y a pas mal de lectures que je vais vous présenter, je vais essayer d'aller assez vite, mais j'aime bien les vidéos pile à lire, et donc voilà, ça m'amuse bien de faire ça. Et en plus, comme ça, je peux revoir un petit peu, relire un petit peu les résumés, les découvrir avec vous, et voir quelles lectures me font vraiment envie ou pas pour maintenant. Alors, pour la semaine 7 jours, 7 livres, je vais débuter la semaine avec le dernier roman de Stephen King, Billy Summers, qui est publié aux éditions Albin Michel. C'est un roman, je pense, parfait pour la période qui entoure Halloween. Et donc, quoi de mieux que terminer le mois et commencer le mois de novembre avec ce roman. Je vous lis le résumé. L'histoire d'un type bien qui fait un sale boulot. Billy Summers est un tueur à gages. Le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission. À la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à l'Amérique, des petites villes, Billy Summers est l'un des romans les plus surprenants dans l'œuvre de Stephen King, qui a mis tout son génie et son humanité. J'ai vraiment hâte de le lire, j'ai vu plutôt des bons avis sur ce roman. C'est un gros pavé, il fait 530 pages. Je l'ai pris sur ma liseuse, je pense que ça va être un petit peu plus simple pour le découvrir. Et je pense que c'est le roman qui m'accompagnera pour le coup toute la semaine. Et j'aurai des petites lectures un peu tous les jours en plus. Moi, je n'hésite pas à avoir plusieurs livres en cours, donc ce sera le cas cette semaine. Je vais lire également, dans un tout autre registre, The Black Flamingo de Dehan Atta, qui a été traduit par Insa Sané, qui est publié chez Slalom. Regardez cette couverture absolument magnifique. C'est un roman qui semble assez poétique et étrange. Il y a des dessins, des SMS, voilà, ça a l'air assez étrange et je pense qu'il se dévore. J'imagine en une petite journée, il fait à peu près 350 pages, mais avec, voilà, comme je vous le disais, beaucoup de dessins, beaucoup de pages où il n'y a pas grand-chose d'écrit. Donc, je vous en dirai des nouvelles très rapidement et je voulais le résumer. Alors qu'il s'interroge sur son identité, Michael écrit dans un carnet dont il livre quelques pages. Dans un récit émouvant, il raconte sa vie, de son enfance à Londres à ses premiers émois amoureux à l'université. Chaque rencontre, chaque expérience est pour lui un pas de plus vers la tolérance et la liberté. Avec force et passion, il crie au monde « Vous seul avez le pouvoir de décider qui vous êtes ». J'essaye de voler de mes propres ailes. Ce livre est un conte de fées. J'en suis le prince et la princesse. Il m'intrigue énormément et pour le coup, j'en ai vu de très bons retours. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir et j'avoue que cette couverture m'appelle également. Donc, voilà, peut-être que je l'aurais même déjà lu quand cette vidéo sortira. Je vous en dirai de toute façon des nouvelles très vite. Ensuite, ce sont tous les petits livres qui vont m'accompagner pour cette semaine, 7 jours, 7 livres. Il y a donc « La barbarie des hommes ordinaires » qui est sorti le 20 octobre chez Pocket. Il est écrit par Daniel Zaguri. Il ne s'agit pas d'un roman, mais plus d'un essai, d'un livre-essai, je ne sais pas exactement. En tout cas, il me fait très envie. C'est écrit par un psychiatre et donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Un mari massacre sa femme d'une centaine de coups de couteau. Une jeune femme étrangle son nouveau-né à la naissance. Un jeune tue pour une cigarette refusée. Un post-adolescent se radicalise et projette de se livrer à une tuerie. Qu'y a-t-il de commun entre tous ces cas, tous ces gens qu'on disait sans histoire? Pour l'expert psychiatre Daniel Zaguri, ce basculement dans l'horreur a un nom, la banalité du mal. Aucun des meurtriers présentés ici ne relève de la maladie mentale. Ils sont votre voisin, votre épouse, votre frère, des monstres ordinaires, des barbares comme vous et moi.
un roman de Claire Gallois alias, qui me fait également très envie, qui sort, je crois, le 9 novembre chez J'ai lu, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, en tout cas je pense qu'il sort la semaine prochaine. Et c'est un tout petit livre qui fait à peu près 100 pages et qui m'a happée complètement. Alors je ne savais pas qu'il était aussi court, ce qui fait que ça me perturbe un petit peu. Et en même temps, parfois avec ces livres très courts, c'est justement très percutant. On y va directement. Il n'y a pas de choses à côté, de grandes descriptions qui sont parfois de trop. Là, j'imagine que l'autrice va droit au but et donc j'ai vraiment hâte de lire. Surtout qu'il aborde la protection de l'enfance et ça m'intéresse énormément. Je vous lis le résumé. Est-ce en racontant leur histoire que la narratrice de ce livre saura leur faire justice? Cette femme de 50 ans s'est occupée d'Alias, le fils de ses voisins et amis depuis toujours. Le couple s'est rapidement séparé et l'enfant, quand il a eu 10 ans, a révélé les sévices physiques et psychologiques que sa mère lui faisait subir. S'ensuivent des plaintes, une enquête et un dossier transmis à la protection de l'enfance, une institution qui suivrait quelque 350 000 jeunes et qui va, au mépris de ce qu'il a enduré, faire vivre à Alias une expérience qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Un livre puissant qui nous montre que l'amour, comme les nuages, peut prendre des formes inimaginables. Ensuite, un roman de Michel Bussy, et c'est le premier de l'auteur que je vais lire, donc je suis assez contente, j'en attends beaucoup, stressée, voilà, je ne sais pas exactement, en tout cas c'est le premier que je lis, et il s'agit de Code 612, qui a tué le petit prince. Un roman qui m'intéresse énormément par sa thématique, il est publié chez Pocket. C'est une surprise, je ne l'avais pas demandé, même s'il me faisait très envie, tout simplement parce que ma palle déborde et que je voulais voilà, me limiter à un certain nombre de livres. En tout cas, celui-ci me fait très envie et je vous lis le résumé. Le matin du 31 juillet 44, Antoine de Saint-Exupéry s'envole de Borgo, en Corse, pour une mission de reconnaissance militaire. Personne ne le reverra jamais. Quelques mois plus tôt, il achevait son ultime manuscrit, Le Petit Prince. Cet enfant blond comme les blés qui aurait l'air d'être mort et ce ne serait pas vrai. Il est le roman le plus traduit au monde, conte merveilleux ou testament crypté. Depuis toujours, la coïncidence de ces deux morts intrigue le club 612. C'est l'occasion d'une enquête de haut vol où, plus que jamais, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, il fait à peu près 200 pages. Et Michel Bussy est un auteur très connu, hein, qui a écrit énormément de romans. Moi, il y a plusieurs de ses livres qui me font un petit peu envie, mais j'ai jamais sauté le pas, aussi parce que je le vois beaucoup passer, que j'ai beaucoup d'attentes et que bah, parfois, plus j'ai de l'attente, plus je suis déçue et donc je ne me lance pas. Mais celui-ci, j'ai pas vu beaucoup d'avis et donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, je vais découvrir un témoignage qui, je pense, va beaucoup, beaucoup, beaucoup me toucher. Il fait à peu près 200 pages également. Il s'agit de « La femme, la vie, la liberté » de Laïla Mustapha et Marine de Tilly. C'est un roman, enfin, un témoignage où l'on suit Laïla Mustapha, qui est désignée maire de Raqqa en 2017. C'est l'ancienne capitale de Daesh. Elle est l'unique femme dans une assemblée de 130 hommes. Et qui mieux qu'elle, l'enfant de Raqqa, ingénieur en génie civil, non écarté mais engagé par choix et par nécessité, pour reconstruire les ponts, les écoles, les mosquées, les hôpitaux soufflés par les bombardements. Qui mieux qu'elle, la Kurde qui a grandi chez et avec les Arabes, pour renouer les liens qu'on disait impossibles. Laïla n'est pas une combattante. Elle n'a pas fait la guerre, mais elle a fait la paix. Une paix fragile, douloureuse et sans cesse menacée. Celle que l'on nomme aujourd'hui la Mère Courage se démène pour reconstruire sa cité et rêve d'une Syrie démocratique. C'est donc un témoignage qui me fait très envie. Si vous suivez un petit peu mes vlogs depuis quelques temps et mon compte Instagram, vous savez que ce sont vraiment des témoignages que je trouve très importants et je me fais un devoir quand le sujet m'intéresse beaucoup et que j'ai le temps de les lire et de les lire rapidement pour pouvoir vous en parler et que ces témoignages voyagent et qu'ils touchent le plus de personnes possible. Donc je vous en dirai des nouvelles très rapidement et ce sera une de mes lectures de toute façon de cette semaine.
Et enfin, pour achever ma petite pile à lire de ce challenge 7 jours, 7 livres, je vais découvrir Femme puissante de Léa Salamé, qui est publiée ici chez Proche, donc la nouvelle collection de l'iconoclaste et des arènes. Alors, je suis un petit peu, j'y vais un petit peu à reculons, tout simplement parce que j'en ai pas vu des avis très positifs. Notamment, on m'a expliqué que l'autrice parle surtout de femmes riches et célèbres et que elle n'aborde pas les femmes de l'ombre, et c'est ça qu'on aimerait découvrir. Donc à voir, je vous lis le résumé et puis de toute façon, je vous en ferai un retour très vite dans le vlog de 7 jours, 7 livres qui sortira lundi 7. Mais en tout cas, j'adore la couverture et je suis quand même curieuse parce que les éditions Iconoclaste sortent des romans assez forts qui souvent me plaisent. Ils ont une ligne éditoriale qui est très travaillée et donc voilà, je suis quand même très curieuse de découvrir ce roman. Chez un homme, la puissance est légitime. Chez une femme, elle paraît suspecte, contre nature. J'ai voulu savoir pourquoi et j'ai entamé un voyage dans les mystères du pouvoir au féminin. On se construit en se confrontant à d'autres vies que la sienne. J'ai rencontré des femmes dont j'admirais le courage, la liberté et la singularité. Écrivaines, médecins, femmes politiques, chefs d'entreprise, rabbines, sportives, jeunes ou plus âgées, de droite ou de gauche, elles ont tout un point commun. Leur force intérieure et leur influence dans la société, en un mot, leur puissance. Dans celui-ci, elle nous parle de Leïla Slimani, de Chloé Berthelus, qui est chirurgienne, de Christiane Taubira, qui est femme politique, de Laure Adler, journaliste, Elisabeth Badinter, philosophe, Béatrice Dalle, actrice, Nathalie Kosciusko-Morizet, ingénieure, Bettina Reims, photographe, Sophie de Closet, éditrice, Amélie Mauresmo, entraîneuse de tennis, Anne Méo, conseillère en communication, et Delphine Horviller, rabbine. Alors pour le coup, j'en connais pas tant que ça, donc je suis très curieuse de découvrir. Et j'aime beaucoup la façon dont c'est. J'ai une jolie petite carte. La façon dont c'est édité. Vous voyez, avec des phrases comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un. Je sais pas, une conversation. On va voir. Peut-être. Oui, peut-être des conversations qu'elle a eues avec, des personnes influentes, des femmes puissantes. Je vais voir. Je suis curieuse, donc je vais découvrir ça très prochainement. Et pour le reste du mois, voici les romans qui vont m'accompagner. Il y a donc Viva Frida que je voulais déjà lire en octobre, mais je n'ai pas eu le temps, qui est donc une biographie, d'après ce que j'ai compris, de Frida Kahlo. Enfin, alors je vous dis ça, et la première phrase, c'est Viva Frida n'est ni une biographie, ni un essai, ni un roman, mais tout cela à la fois. La première image qui me vient à l'esprit est celle d'une suite de tableaux vivants. Je m'arrêterai là, par contre, pour celui-ci, tout simplement parce que j'ai lu déjà beaucoup de romans sur Frida Kahlo, beaucoup de témoignages, d'essais plutôt, enfin de romans biographiques. Et donc, voilà, je ne veux pas trop me spoiler sur ce que celui-ci va m'apporter. En tout cas, il me fait très envie. Le travail éditorial de J.C. Lattès sur ce roman est absolument sublime. Vraiment, j'adore l'écriture, j'adore la forme des pages. Il y a quelques tableaux ici. D'ailleurs, on a eu la chance de recevoir, quand je l'ai reçu, certaines des illustrations, dont celle-ci que j'ai mise dans ma bibliothèque, que je trouve absolument sublime. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je vais également lire un livre qui, je trouve, correspond parfaitement à la période de novembre. Il est publié chez Kiwi Roman. Il s'agit de Hila, le réveil des sorcières de Yuna Vicentin. C'est un livre qui me fait très envie. La couverture est absolument sublime et ça parle de sorcières, d'après ce que j'ai compris. Et donc, c'est forcément quelque chose qui m'attire beaucoup en cette période. Quand la jeune Hila, accusée de sorcellerie, est conduite de force dans la cité de Skaer, et séparée de sa mère, elle est contrainte de coopérer avec les hommes du livre, la puissante organisation qui dirige son pays. Depuis toujours, elle les déteste. Ce sont eux qui enferment les femmes et les enfants dans la crainte et la soumission, eux qui brûlent les sorcières et exploitent le peuple, eux qui interdisent l'accès à la forêt tout en cherchant à la détruire, eux qui l'ont arrachée à son village. Pourtant, à Skaer, elle trouvera des alliés inattendus.
Tandis que la révolte gronde et que les représailles se multiplient, Hilla parviendra-t-elle à retrouver sa mère et à échapper au sinistre dessein des sorcières? Un roman écoféministe qui appelle à la révolution et à former des communautés pour faire face à l'oppression. Je vous en dirai des nouvelles, mais je pense pour le coup que celui-ci va se lire assez vite. C'est écrit, enfin je trouve que les interlignes et les marges sont assez grosses. Et il fait 400 pages, mais voilà, je pense qu'il se lira assez rapidement. Il a un format qui me perturbe un petit peu. Je ne sais pas si on va voir la différence, mais en fait, c'est un grand format qui est très long sur le côté large. J'avoue que ce format ne me plaît pas beaucoup, surtout pour la lecture. Mais je pense que je vais m'y faire. Et puis de toute façon, j'ai pas trop le choix parce que je ne l'ai pas trouvé pour ma liseuse pour l'instant. Il faudrait que je cherche un peu mieux. Ensuite, je vais lire Le Palais des Mille Vents de Kate McAllister. Il s'agit du premier tome. Il s'est publié chez Archipoche. Un livre qui me fait très envie et qui va me faire partir en Russie. Lahore, 1838. Adolescent, Morgan vit sous le joug de son père, un cruel mercenaire. Il tombe amoureux de Chali, une jeune princesse mongole promise au petit-fils de l'empereur du Pendjab. Morgan s'efforce de l'oublier en prenant sous son aile Mora, une fillette venue rejoindre son père, le colonel Fleming, redoutable chef de la police et de... Oulala, pardon. Redoutable chef de la police de l'empereur. Un jour, injustement accusé du meurtre de son père, Morgan parvient à s'échapper et s'enfuit dans l'Himalaya. 10 ans ont passé. Mora est mariée à un botaniste britannique qui œuvre dans le renseignement. Au cours d'une réception au Palais des Mille Vents en Russie, elle reconnaît Morgan et tombe à nouveau sous son charme. Elle manœuvre pour qu'il soit le guide de leur expédition, en réalité une mission de sauvetage de la princesse Shelley, veuve et pourchassée par des tueurs. Morgane n'a plus alors qu'un désir, venir en aide à celle qu'il n'a jamais pu oublier. Après sa trilogie du Lotus Rose, Kate McAllister signe le premier volet d'une nouvelle saga, un voyage passionné de l'Inde à la Russie orientale jusqu'aux confins du Kazakhstan. En fait, ce n'est pas un roman qui se passe en Russie, mais dans plusieurs pays, ce qui m'intéresse encore plus. C'est vraiment un roman qui me fait très très envie et je trouve la couverture absolument sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup la maison d'édition Archipel, Archipoche. Et en plus, j'ai le bonheur de continuer mon partenariat avec eux, avec Mylène notamment, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Oui, bien sûr, Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, que je vais lire en lecture commune, tout simplement parce qu'il s'agit du roman lecture commune que je propose pour le mois de novembre. Pour mon challenge Livresse de lire en voyageant, nous partons en Norvège pour le mois de novembre. Et donc, c'est un roman qui se déroule en Norvège, qui est écrit par une autrice norvégienne. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une autrice londonienne. Bon, c'est pas grave, hein, sûrement qu'elle a fait beaucoup de recherches. Je lirai un autre roman pour le coup d'une ou d'un Norvégien parce que je pensais qu'elle était norvégienne tout simplement. En tout cas, c'est un livre qui me fait très envie. J'adore cette couverture et on va encore profiter d'une jolie lecture commune. Donc, je suis assez contente de ça. Je vous lis le résumé. Norvège, 1617. Il a suffi une nuit de tempête et d'horreur. Depuis que la mer a rendu cadavre après cadavre, tous les hommes de Vardo, les femmes du village, ont pris les choses en main. La pêche, les travaux domestiques. Mais il était dit, même aux confins du cercle polaire, qu'on ne laisserait jamais les femmes en paix. En vertu du décret sur la sorcellerie, fraîchement entré en vigueur, il est venu du continent un pasteur étranger. Absalom Cornet, inquisiteur fanatique et chasseur de sorcières. Pour Marraine, Kristen et les autres, toutes prisonnières, chacune à sa manière, le bûcher est déjà dressé. Je vais ensuite découvrir, et ça je suis très contente, tout simplement parce que j'ai découvert Lisassi avec deux de ses romans cet été. Il s'agissait de L'île des femmes de la mer et de La mémoire du thé. J'avais eu un coup de cœur énorme pour L'île des femmes de la mer, j'avais adoré La mémoire du thé. Et donc ce roman, qui paraît un peu plus thriller, un peu plus noir, me fait très envie, tout simplement parce que je vais découvrir l'autrice dans un autre genre.
Il fait 650 pages, donc c'est un sacré pavé. Mais j'ai très envie de le découvrir, je vous lis le résumé tout de suite. Une plongée magistrale dans la Chine contemporaine. Alors que David Stark ouvre un cabinet d'avocat à Pékin, son amante, la détective Liu Hulan, reçoit un message urgent d'une de ses vieilles amies. Celle-ci la supplie d'enquêter sur la mort suspecte de sa fille, employée dans une fabrique de jouets que le nouveau client de David, Tartan Entreprises, s'apprête à acquérir. Infiltrée dans l'usine, Hulan se retrouve confrontée à un passé qu'elle tente de fuir depuis longtemps, tandis que toutes les pistes désignent le client de David. Avec son habileté habituelle et sa connaissance incomparable de la culture chinoise, Lisa Hsien nous livre un roman captivant sur les paradoxes d'une société fascinante. Enfin, ça pour le coup, voilà, c'est les livres que je suis quasiment sûre de lire. Il y a deux romans que je ne sais pas si j'aurai le temps de les lire ce mois-ci, mais sinon ils seront lus en décembre. Il s'agit de La maison de l'orchidée de Lucinda Riley et de La violoniste d'Auschwitz de Elie Midwood qui est publié chez J'ai lu. Je vais vous lire les résumés, mais ce sont voilà, deux romans que je me mets en plus au cas où, parce qu'aussi j'aime pouvoir piocher dans d'autres livres si j'ai pas envie de lire tel livre à tel moment. Donc je vous lis les résumés et puis ça clôturera très bien cette petite vidéo pile à lire. À Auschwitz, chaque jour est un combat pour survivre. Alma porte le matricule 50381. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de sa vie d'avant. Star de l'orchestre philharmonique de Vienne, nièce de Gustav Mahler, elle avait même fondé un orchestre de femmes. Rien de tout cela ne l'a sauvée, jusqu'à ce qu'un chef du camp la reconnaisse et lui fasse monter un orchestre pour le bon plaisir des SS. Une position qui lui permet de soustraire des jeunes filles à la mort. Et de rencontrer Miklos, un pianiste talentueux. Au milieu du désespoir et de la joie des répétitions, il prie pour que le cauchemar cesse un jour. Mais à Auschwitz, l'air est contaminé par la mort, et la tragédie est la seule certitude. Un roman donc qui me fait très envie, notamment parce que j'apprécie beaucoup de découvrir des romans sur cette période de l'histoire, sur la Seconde Guerre mondiale, sur la période également juste avant et juste après. Donc ce livre me fait très envie. Et parce que j'ai fait du violon pendant longtemps, j'aime beaucoup la musique classique, j'aime beaucoup la musique tout court. Et donc c'est un livre qui, j'espère, va me transporter dans ces deux univers complètement différents, totalement à l'opposé. Mais j'imagine qu'il apporte quelque chose d'unique à ce roman. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et on termine par Lucinda Riley, une autrice dont je vous parle souvent, que j'aime beaucoup. J'attends avec grande impatience son dernier roman qui sortira en mai ou en juin chez Lily Charleston. Il s'agit du dernier tome des Sept Sœurs. Je crois que c'est pas Salt, il s'appelle, je ne me souviens plus exactement. Je vais vous lire le résumé. C'est un livre que je lirai sûrement en lecture commune avec Geneviève. Si tu passes par là, je te fais un grand coucou. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire en novembre, mais je le lirai avant la fin de l'année, c'est sûr, parce que c'est un de ces romans qui me fait le plus envie. Il m'en reste, et j'en suis très heureuse parce que l'autrice est décédée, il me reste plusieurs romans de cette autrice à découvrir, donc voilà, c'est toujours assez émouvant, et donc j'espère que ce sera une belle lecture. Wharton Park. Julia Forrester n'a jamais oublié les étés idylliques de son enfance. Passé à arpenter la somptueuse propriété où son grand-père prenait soin des plantes exotiques, si rares dans cette région du Norfolk. Aussi, est-ce tout naturellement qu'elle vient y chercher refuge, après le terrible drame qui a bouleversé sa vie. Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir qu'elles abritent également bien des secrets. C'est dans le journal intime tenu dans les années 1940 par son aïeul qu'elle perce peu à peu le mystère d'une histoire d'amour qui a presque détruit le domaine plus de 50 ans auparavant. À travers les destins croisés de deux familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant entre Europe et Asie, comme sait si bien nous les offrir Lucinda Riley. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de livres dans cette pile pioche à lire. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est pas sûr que je lise tout, en tout cas, ils me font tous très envie. Et donc j'avais tous envie de vous les présenter ici, tout simplement parce qu'il s'agit d'une pioche à lire
que ça peut évoluer également avec les réceptions, les achats, mais ce sont les livres en tout cas que j'ai envie de lire ce mois-ci. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire des petits retours d'ailleurs sur certains de ces livres si vous avez pu les découvrir, me donner encore plus envie de les lire, peut-être de les sortir avant ou d'être sûre de les sortir suivant votre avis si j'hésite un petit peu à un moment. Et puis, n'hésitez pas à me dire également ce qui vous font envie et si vous avez envie qu'on en lise un ensemble. Je suis complètement ouverte aussi à ça. J'adore les lectures communes. Donc, n'hésitez pas à me dire si certains sont dans votre palle et qu'on pourrait voilà, les découvrir à plusieurs. Ce serait un grand bonheur. Je vous dis à lundi pour le vlog 7 jours, 7 livres qui, j'espère, sera rempli de belles découvertes.